Bonsoir. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, je me présente rapidement. Donc moi, c'est Kevin Capron. Donc euh, je suis originaire de Basse-Pointe, fier d'être pointois, fier d'être Martiniquais, et puis aussi fier d'être à côté euh, de, de Manon sur la liste Union Populaire. c'est vrai que quand Manon et son équipe a sollicité PIA pour l'accompagner dans ce combat. On n'a pas dû réfléchir beaucoup parce qu'effectivement, on partage vraiment un socle de valeurs communes. Et on s'est dit que c'est l'occasion aussi de mener un combat ensemble avec un parti ami. Et euh, j'espère un parti ami pour encore de nombreuses années. Euh, camarades, effectivement, euh, la lutte qui s'annonce le 9 juin est quand même une lutte assez grave. Parce qu'on nous donne le choix. Les médias nous ont fermé dans un choix binaire. Donc, un choix entre les ultralibéraux. Et puis d'un autre côté, les ultra-libéraux racistes. Donc, euh, mais ne vous méprenez pas, camarades, ne vous trompez pas, le 9 juin, il y a une autre solution. Effectivement, il y a la solution de l'Union Populaire. Et puis, euh, effectivement, d'un côté, euh, bon la Macronie, je ne vais plus décrire ce que c'est, notamment Martinique. On a subi des conséquences terribles, notamment pendant la, la crise Covid. Et de l'autre côté, on veut nous vendre, euh, j'ai envie de dire, même des mulets pour des chevaux de course. On veut nous vendre des girouettes politiques. Des girouettes politiques qui nous disent qu'ils défendent le pouvoir d'achat des Français, et puis au final, quand il faut voter l'augmentation du SMIC, il n'y a personne. Des girouettes politiques parce que aussi ils disent défendre l'agriculture, mais on le voit au Parlement européen. Ils ont voté tous les traités de libre-échange. Et notamment en Martinique, on sait très bien que certains traités de libre-échange sont terribles pour notre agriculture. Puis vous savez bien, changer la couverture d'un livre ne change pas son contenu. Le FN, Front National, le RN, Racisme National. C'est toujours les mêmes personnes, le même parti, les mêmes idées crasses et crades. Donc, euh, camarades, entre la Macronie et la Le Penie, ça conduit forcément vers l'austérité. L'austérité a des conséquences terribles, notamment surtout en Martinique. Moi, je prends deux exemples c'est la santé et l'éducation. Vous voyez déjà, on n'est pas très bien pourvu en matière de santé en Martinique. On témoigne, voilà, on est en train de perdre petit à petit l'hôpital de Trinité. Heureusement que nos députés se battent farouchement pour une reconstruction, ça prend du temps, ça demande une énergie folle. Et on se dit qu'au final, où est le curseur est placé Il est passé quoi Sur la santé, sur l'économie Si on doit se battre autant pour qu'une population ait accès aux soins. L'austérité aussi euh, conduit eh bien, au délabrement de l'éducation. Et on sait très bien qu'un peuple qui n'est pas éduqué, c'est un peuple, un peuple faible, j'ai envie de dire. Donc, je me demande même, est-ce que ce n'est pas une stratégie qui est calculée Si on doit faire peuple, effectivement, faisons peuple, notamment sur cette question d'éducation. Nous n'avons pas le droit de sacrifier des générations, des générations entières. Hein. J'ai envie de parler un peu de la notion des communs. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette, no connaissent cette notion. Elle existe depuis l'Antiquité, depuis la préhistoire. Dans la préhistoire, le commun, par exemple, c'était la caverne où tout le monde dormait l'Antiquité, c'était la place du village. Ensuite, le commun, ça a toujours été l'air, l'eau, la terre. Et on se rend compte qu'au final, ce commun, il est accaparé par les capitalistes. Il est accaparé, il est même détruit par ces capitalistes. Martinique, le scandale de la chlordécone, on voit les sargasses qui s'échouent en permanence sur nos rivages. Et maintenant, ils veulent nous faire croire que le, le bien commun, c'est l'économie, que c'est la croissance. Croissance, croissance, croissance. Non, il ne faut pas dépasser 3% du PIB, etc., etc. Mais quand il y a croissance, qui s'enrichit réellement Quand il y a 3-4% de croissance, on ne le ressent même pas dans notre quotidien. Et quand il y a inflation, qui continue à s'enrichir C'est toujours les riches. Donc, camarades, on a une lutte à mener le 9 juin ensemble. En matière d'économie, nous luttons pour une Europe qui redistribue équitablement les richesses. Oui, il faut aller taxer les multinationales qui n'arrêtent pas de se gaver sous le dos des Français et des Martiniquais. Parce que taxer ces grandes fortunes servira notamment à une chose, c'est réarmer notre pays, réarmer la Martinique en, en, en service public, en santé, en service public dans nos écoles, j'en ai parlé un peu précédemment. C'est comme ça qu'on va réussir à construire vraiment une société beaucoup plus égalitaire. Je veux dire, permettez-nous le 9 juin de présenter une liste qui met les gens avant l'argent, qui met l'humain avant tout au centre de toutes choses. Nous avons besoin d'une Europe qui travaille pour tous et pas seulement pour une partie. Une Europe où la solidarité transcende les frontières. Ce n'est pas normal que, par exemple, je prends l'exemple d'Haïti tout près. Que c'est passé sous silence ce qui se passe à Haïti. Nous voulons une, une Europe beaucoup plus humaniste et qui met encore l'humain au centre des débats. Parce que c'est vraiment notre bien le plus, le plus précieux, c'est l'humain. Nous sommes à un carrefour, vraiment. Donc, notamment en matière agricole, ce que j'ai oublié de le dire dans la présentation, je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Moi-même, je travaille dans le milieu agricole et c'est vraiment un secteur qui me tient particulièrement à cœur. Nous sommes dans un carrefour au niveau de notre souveraineté. C'est une hérésie de dire que dans un pays tropical comme la Martinique, nous produisons seulement 30% de ce que nous consommons, alors qu'il y a du soleil toute l'année et qu'il y, y a tout ce qu'il faut pour produire ce que nous mangeons. Mais je pense que c'est quand même volontaire. La capa, la, je veux dire, c'est volontaire. Quoi. Ils nous ont pris le foncier en forme des dizaines et des dizaines et des dizaines de jeunes chaque année. Sans, en les dégoûtant, puisque quand ils arrivent pour travailler, ils n'ont pas cet outil, l'outil fondamental qui est le foncier. On en a fait une, un outil de spéculation, on en a fait, voilà, on l'a monnayé, et puis maintenant, on n'a plus de foncier pour que cette jeunesse participe à l'effort martiniquais pour nourrir sa population. Et en contrepartie, on subit des importations massives, mais des importations massives qui, au-delà du point de vue économique, moi je vais plutôt me pencher sur le point de vue... Sociétal et le point de humain. Effectivement, mais moi je suis content qu'on ait des normes sanitaires et qu'on peut encore aller plus loin au niveau des pesticides. Mais comment on peut accepter en tant que qu'humain, en tant que peuple, qu'on importe des produits par exemple du Costa Rica où les normes, où c'est en voiture, en voilà au niveau des pesticides et les populations locales en pâtissent Comment on peut accepter ça en tant qu'humain Moi, je, mon, si je dois inscrire mon combat politique dans quelque chose, c'est bien dans cela. Chers amis, il est venu le temps de choisir, de choisir entre une Europe de la division de ce que nous a proposé Macron, Macron, et l'Europe de la division continuera avec la Le Penie. Ou une Europe de la solidarité portée par l'Union populaire et nos têtes de liste Manon Aubry. Alors le 9 juin, on a le choix entre l'inaction face au changement climatique ce que on n'en a pas parlé. Si on devait euh, parler de ce sujet, on aurait pu en débattre encore des heures et des heures. Ou une Europe où on a le courage de protéger notre avenir. Oui. Maintenant, des fois, elle a eu des votes difficiles à faire au Parlement européen. Quand il faut s'opposer effectivement aux accords de libre-échange, les, les, même des fois, certains agriculteurs ne comprennent pas euh, cette opposition. Mais ce sont des mesures de protection pour notre agriculture et puis aussi le climat. Importer, euh, récemment, je suis allé en supermarché, importer euh, des, des patates douces d'Égypte en Martinique, c'est une aberration écologique. Il faut le dire. Et effectivement, on a encore le choix le 9 juin de choisir entre l'égoïsme économique parce que c'est bien ça qui est le cas, c'est l'égoïsme économique ou une justice sociale. Alors je vais finir par une citation que j'apprécie particulièrement de Thomas Sankara qui dit que la maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en le prenant. Le médicament c'est le vote, c'est le vote le 9 juin camarades. Donc mobilisez vos familles, mobilisez vos amis, mobilisez vos cercles, votre entourage. Ne laissez pas l'abstention donner la victoire à Le Pen ou à Macron. La seule liste, la seule véritable liste qui défend nos, nos valeurs et notre identité, même Martinique, c'est la liste portée par Manu Aubry et l'Union populaire. Merci camarades et puis bonne soirée. Alors euh c'est un plaisir pour moi et également un honneur, une fierté d'accueillir une femme d'une qualité immense dans nos terres martiniquaises. J'ai même plus besoin de la présenter ici, elle est déjà tellement populaire. Madame Panot. Bonsoir à toutes et à tous, un immense merci d'être avec nous ce soir. Et je dois dire d'abord quel plaisir j'ai à être euh, en Martinique, ici, euh, dans la terre de résistance, là où le peuple martiniquais refuse de courber les chines, refuse tous les asservissements et à bien des égards a montré à plusieurs reprises la voie à l'ensemble du pays. Alors je dois commencer par dire que je suis fière d'être la présidente du groupe au siège Jean-Philippe Nilor, qui, euh, en plus de ses qualités euh, d'orateur et de slameur, a gagné un vote extrêmement important. Puisque le 30 novembre 2023, c'était notre niche parlementaire, c'est-à-dire le seul jour où on peut choisir l'ordre du jour de l'Assemblée. Et lors de ce, cette niche parlementaire, Jean-Philippe Ninor a gagné pour notre groupe une commission d'enquête sur la manière dont l'État gérait les risques naturels dans les territoires dits d'outre-mer. Alors, c'était une commission d'enquête, vous allez comprendre pourquoi je parle au passé mais c'était une commission d'enquête qui était très importante, parce que les territoires dits d'outre-mer sont aux avant-postes de l'humanité, et notamment pour notre pays, la France. S'il y a 80% de la biodiversité française dans les territoires dits d'outre-mer, c'est aussi dans ces territoires qu'on retrouve les plus grands risques sismiques, les risques volcaniques, les tempêtes, les cyclones, et j'en passe. Donc, cette commission d'enquête était très importante, non seulement pour qu'elle produise avec des auditions, des recommandations sur ce qu'il fallait faire de la part de l'État dans les territoires dits d'outre-mer. Mais elle était très importante aussi parce que là aussi, nous avions beaucoup à apprendre des territoires dits d'outre-mer sur des politiques qui se font déjà dans beaucoup des endroits et dont tout le pays aurait eu à apprendre parce que ce qui se passe ici en Martinique, ce qui se passe en Guadeloupe et dans tous les territoires dits d'outre-mer, ensuite se passe en Hexagone. Je vous donne un exemple. La crise de l'eau. Le droit à l'eau qui n'est pas respecté. En Martinique, vous l'avez un peu avec 40% des fuites dans les canalisations. En Guadeloupe, ils l'ont énormément et ça ne tombe pas du ciel. En Guadeloupe, c'est parce que Veolia est venu à piller tout l'argent le, tout de l'eau et ensuite est reparti 70 ans après en signant un petit contrat avec les élus en disant qu'ils n'attaqueraient pas la filiale de Veolia et que Veolia n'attaquerait pas les élus. Et ils sont partis avec des canalisations où il y a maintenant 70% de l'eau qui est gaspillée et perdue au point que les gens sont sous tour d'eau et que des enfants ratent jusqu'à un mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Euh, Ça, c'est un exemple. Si nous arrivons à faire en sorte qu'enfin, on respecte un droit fondamental humain qui a été reconnu à, à l'ONU, c'est-à-dire le droit à l'eau, eh bien si ici est respecter le droit à l'eau, alors dans tout le pays, ce droit à l'eau sera reconnu parce que maintenant, en hexagone, on se retrouve pratiquement tous les étés avec des villages sur lesquels il n'y a plus ce droit à l'eau et cette eau n'arrive plus. Et donc, nous devions apprendre avec cette commission d'enquête. Alors, je parle au passé parce que, même face à un sujet aussi grave que cela, qu'ont fait les Macronistes Nous avons gagné la commission, ils ont donc réuni les députés qui devaient en être membres. Et lorsque... Vous avez gagné une commission d'enquête, il est normal que vous puissiez la présider ou en tout cas en mener les travaux. Eh bien, ils ont préféré, alors que les Macronistes avaient voté contre cette commission d'enquête, mettre un Macroniste à sa tête et un LR qui n'était même pas présent au moment du vote. Donc ils ont décidé de saboter cette commission d'enquête, ce qui veut dire que même sur un sujet de vie ou de mort, qui est l'enjeu numéro un du XXIe siècle, ils préfèrent faire preuve d'un sectarisme bête et crasse plutôt que de laisser des travaux se mener pour l'intérêt général humain. Parce que je le rappelle. Nous n'avons qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, alors l'Union populaire fera en sorte que nous puissions faire la bifurcation écologique et faire en sorte surtout d'arrêter l'impunité des multinationales et d'arrêter l'empoisonnement du monde. De même, puisque nous, nous voulons gouverner par les besoins, je suis honoré que Kevin Capron soit sur notre liste parce qu'il porte là aussi un sujet qui est essentiel pour la Martinique, mais pour l'ensemble du pays. Celui de savoir que la souveraineté alimentaire est non seulement souhaitable, mais elle est surtout possible. Et c'est ce que nous avons vu euh, ce matin. Je laisserai euh, Manon Aubry euh, euh, en parler. Alors, si nous sommes ici, c'est évidemment parce que, notamment, il y a une échéance électorale, en plus d'apprendre des rencontres que nous faisons avec les uns et les autres à la suite de plusieurs déplacements qui ont été faits avec Jean-Luc Mélenchon par moi et par d'autres à d'autres moments et de relations de travail que nous continuons. Nous ne sommes pas seulement là pour vous demander de nous donner de la force. Alors évidemment que c'est important. Si je prends euh, les eurodéputés que nous avons, nous avons des eurodéputés de combat dont nous sommes fiers. Nous sommes fiers, par exemple, que Manon Aubry ait gagné sur le devoir de vigilance, c'est-à-dire mettre fin à l'impunité des multinationales qui violent les droits humains et euh, par ailleurs qui euh, commettent des écocides à, à tous les endroits de la planète. Eh bien, c'est Manon Aubry qui l'a gagné. De même, nous sommes fiers que Laïla Chébi ait gagné sur la présomption de salariat des travailleurs, c'est-à-dire, vous savez, pour les travailleurs ubérisés à qui on ne donne pas les mêmes droits que les autres travailleurs, eh bien, à partir de maintenant, grâce au combat de Laïla Chébi, eh bien, à partir de maintenant, ils seront présumés salariés, donc avec les mêmes droits que les autres. Nous sommes fiers que Younous Omarji, eurodéputé euh, euh, issu de la Réunion, et gagner le premier vote au Parlement européen pour reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. De même que nous sommes fiers que Marina Mesure ait rejoint le groupe et la délégation au Parlement européen et notamment elle, elle a combattu le marché européen de l'énergie, nous sommes le seul groupe à avoir intégralement voté contre, qui est celui qui est notamment responsable de vos factures, de l'augmentation de vos factures d'électricité, parce que là aussi, il n'y a aucune fatalité et on pourrait faire tout à fait autrement. Mais nous ne sommes pas seulement là pour cela. Évidemment que c'est important qu'il y ait des eurodéputés de combat et nous espérons que nous en aurions euh, beaucoup et encore beaucoup plus. Nous sommes là, alors certains vont dire c'est électoralisme. Mais nous, nous n'avons pas honte de dire que dans les élections, c'est le peuple qui décide à tout moment quelle direction on prend. Ça s'appelle même la démocratie, n'en déplaise aux macronistes. Et nous, nous sommes fiers d'être de ceux qui disent que les seuls qui peuvent décider dans un pays, n'en déplaise aux monarque présidentiels, eh bien c'est le peuple et le peuple seul. Parce qu'en France, là aussi Emmanuel Macron n'en serait pas content, mais en France, ce n'est pas. Le roi qui change de peuple, c'est le peuple qui renverse le roi. C'est toute l'histoire de notre pays. Alors, je vous dis, c'est bien plus que ça parce que ce qui se joue dans cette élection européenne est bien plus que de choisir qui seront les gens qui iront combattre euh, au niveau de l'Union européenne, même si c'est très important encore une fois. C'est bien plus que ça parce qu'ayez conscience que cette élection du 8 juin pour vous, du 9 juin pour l'Hexagone, du 8 juin est la seule élection nationale que nous ayons entre la, ré la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et l'élection présidentielle qui aura lieu en 2027. Et donc, c'est aussi l'occasion de commencer à envoyer des messages à Macron dont le règne est en train de se terminer bientôt. Donc, il faut impérativement faire en sorte que dans cette élection soient envoyés des messages très clairs, et notamment que nous n'en pouvons plus de la politique de souffrance écologique et sociale que fait ce président de la République. Et que de même, nous ne voulons pas de l'extrême droite. Pourquoi Parce que Macron a besoin de Le Pen pour gagner au second tour de l'élection présidentielle. C'est comme ça qu'il gagne à chaque fois, en utilisant l'extrême droite comme un chiffon rouge. Mais pire que ça, Macron a besoin de Le Pen pour faire passer ses lois. Alors ensemble, ils votent, par exemple, à l'Assemblée nationale, contre la hausse du salaire minimum. Ils votent ensemble contre la taxation des plus riches et notamment le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais ils votent ensemble pour augmenter les, lois, les, les loyers deux fois de suite, plus 3,5% alors que les gens n'en peuvent plus. Et ils ont même été jusqu'à voter ensemble une loi immigration, qui est la pire de notre histoire, puisque c'est la première fois que se retrouve dans la loi directement le programme de Jean-Marie Le Pen, notamment avec la préférence nationale. Et c'est même la première fois depuis 1945 que l'extrême droite vote favorablement sur une loi immigration, même sous Papon ça n'était pas arrivé. Donc oui, Marine Le Pen et l'assurance-vie d'Emmanuel Macron et donc le 8 juin nous devons à la fois battre les macronistes pour leur envoyer un signal très clair, mais aussi battre la Le Pen et l'extrême droite pour là aussi dire que nous ne voulons pas de cette fausse alternative et de cette arnaque. Alors, Macron nous fait la guerre. Vous avez sûrement vu, mais là, ils viennent d'annuler des crédits dans le budget euh, qui n'a pas été voté, passé par 49-3 comme ils font avec la brutalité euh, habituelle. Mais ils ont décidé de la pire cure d'austérité qu'a jamais connue notre pays. 70 milliards d'euros d'ici à 2027. Et à chaque fois, ils en rajoutent des milliards, des milliards, des milliards. Alors, ils ne les trouvent jamais dans les poches des, des milliardaires. Mais par contre, pour aller de la, de la chercher dans les, les gens du peuple et les gens les plus pauvres encore mieux. Ça, ils sont spécialistes de ça. Et j'ai été assez frappée dans les rencontres que nous avons faites ici, puisque en France, nous avons une situation d'effondrement du système de santé. Mais vous, c'est au-delà de l'effondrement même. C'est euh, après l'os, euh, encore pire. Et notamment, une association qui fait un travail extraordinaire, je ne sais pas si euh, celui qui m'en parlait est là, mais je, je veux le saluer pour le travail qui en est fait, nous racontait l'état de d'élabrement de la santé ici. L'état de délabrement de la santé, c'est par exemple n'avoir qu'un neurologue en dehors de l'hôpital sur l'ensemble de la Martinique, c'est-à-dire 380 000 habitants. L'état de délabrement, c'est avoir dans le sud un seul pédiatre pour 100 000 habitants. L'état de délabrement, c'est avoir des délais pour la cataracte qui peuvent attendre deux ans pour une opération qui est très simple, au point que cet opticien me racontait qu'il avait vu deux personnes décédées. Du fait. De l'attente sur l'opération de la cataracte, parce qu'ils sont en attente, ensuite vous n'avez plus de lumière qui vient, la déprime, ils s'alitent, il y a des escarres et les personnes décèdent. Pour un seul médecin, pour un seul opticien, pardon, deux personnes qu'il connaît sont décédées du fait d'une opération extrêmement simple qui n'a pas été faite. Eh bien... Lorsqu'ils vous parlent de milliards d'austérité qu'ils veulent refaire, ils ont encore enlevé des millions là, dans le budget d'outre-mer, dans, dans les crédits qui ont été annulés. Nous, nous disons que nous irons chercher l'argent là où il faut, c'est-à-dire dans les poches des plus riches, pour faire en sorte qu'il y ait des services publics pour tout le monde, parce que le service public est la seule richesse de celles et ceux qui n'en ont pas. De même que je veux saluer le personnel des urgences psychiatriques de Martinique qui exerçait leur droit de retrait pour les conditions insoutenables dans lesquelles ils travaillaient et par ailleurs envoyer un message de soutien et de fraternité à l'ensemble des fonctionnaires qui sont les seuls à faire tenir encore debout toute une partie du pays. Alors Macron nous fait la guerre, mais il ne fait pas la guerre seulement dans la politique qui est menée. Nous n'avons pas oublié qu'à chaque instant où le peuple s'est révolté contre les injustices qui étaient faites, nous n'avons pas oublié que la seule réponse qui a été apportée par le pouvoir, ça n'a jamais été des réponses politiques, mais toujours la même réponse, c'est-à-dire la matraque et la justice, avec une répression que vous avez connue, vous, dans les Antilles, de manière extrêmement forte. Je me rappelle, et nous nous souvenons tous, que lorsque les Guadeloupéens demandaient juste, L'accès à l'eau au moment du Covid, puisque le premier geste barrière était de se laver les mains, rappelez-vous, et un système de santé digne de ce nom. Eh bien, quelle a été la réponse de Macron Envoyer le GIGN et le RED, c'est-à-dire des forces anti-grand banditisme et anti-terrorisme, contre la population guadeloupéenne. De même, nous n'avons pas oublié Kezia Nussier, qui est ce jeune militant anti-chlordécone qui a été tabassé parce qu'il essayait de protéger sa mère qui était molestée par les policiers. Et qui a eu le crâne fracassé, le corps tuméfié, et qui a même failli perdre son œil avec euh, euh, cette répression extrêmement grave dont il a subi euh, dans sa chair le fait de devoir se battre contre un scandale qui n'est pas un scandale du passé, mais qui est un scandale du présent et de l'avenir, puisque les sols et les terres les, et les eaux sont contaminés et empoisonnés pour 700 ans, ainsi que la chair de tout un chacun, ou dans les Antilles. De même, nous n'avons pas oublié qu'en Martinique, c'est l'endroit où là aussi, lorsqu'il y avait des grands mouvements pour demander à pouvoir être soigné dignement et ne pas être obligé de se vacciner, d'avoir juste la liberté de pouvoir le faire, nous n'avons pas oublié que directement sont rentrés des policiers qui ont gazé et soignants et patients dans le CHU de Martinique. Et enfin, nous ressentons ces relents de colonialisme qui reviennent. Quand nous entendons dans l'affaire Pinto, qui là aussi provoque beaucoup de colère ici, quand nous entendons un procureur expliquer que s'il accepte d'aller jusqu'en Guadeloupe, alors il sera libéré. Nous ne pouvons pas accepter ça dans une république. Il ne peut pas y avoir de répression telle que celle-ci. Et je vous le dis avec l'Union populaire, les violents et les cow-boys seront sanctionnés. Macron nous fait la guerre et plus que jamais, nous sommes, nous, le camp de la paix. Et je voudrais dire aussi à quel point je suis honoré que sur notre liste européenne, et peut-être est-ce un argument qu'il faut aussi donner aux gens pour les inviter à aller voter le 8 juin, à quel point je suis honoré que nous ayons Rima Hassan, militante qui... A d'abord grandi dans les camps de réfugiés palestiniens en Syrie, puisque ses grands-parents ont dû fuir la Palestine suite à la Nakba, qui est ensuite devenue une intellectuelle et une juriste du droit international, et qui vient de rejoindre notre liste pour porter justement la voix du droit international et la voix de la paix. Nous ne laisserons pas la Palestine disparaître. Ce qui est en jeu est vu de tout le monde. Nous savons, et ce sont les derniers chiffres de l'ONU, que plus d'enfants sont morts à Gaza en quatre mois que d'enfants morts et tués dans tous les conflits du monde en quatre ans. Le 26 janvier, la Cour internationale de justice a rendu une décision historique en disant qu'il y avait effectivement un risque génocidaire avec des mesures conservatoires à l'encontre du gouvernement d'extrême droite de Netanyahu. Aucune de ces mesures conservatoires n'a été respectée. Depuis le 26 janvier, nous avons un gouvernement d'extrême droite qui avait d'abord demandé à toute la population d'aller vers le sud. Et alors que toute la population est nassée vers le sud, n'a plus d'eau, plus d'électricité, plus de médicaments, plus rien. Eh bien, il, il annonce, et il dit qu'il n'y renonce pas, faire des opérations sur Rafa, où sont bloquées 1,5 million de personnes. De même que depuis le 26 janvier, il utilise le blocus total au point que l'ensemble de la population à Gaza est sous menace de famine. C'est-à-dire qu'il utilise la famine comme une arme de guerre. Et si vous voulez comprendre le franchissement de seuil dans l'horreur qui a été franchi à Gaza, vous n'avez qu'à écouter le témoignage de ces soignants. Ces soignants français qui ont été à Gaza à aider les médecins palestiniens. Ils se sont rendus à l'hôpital. Et lorsqu'ils sont revenus, nous les avons auditionnés à l'Assemblée nationale. Vous savez, les soignants choisissent leur métier parce qu'ils veulent aider les autres, parce qu'ils veulent soigner leurs prochains, sauver leurs prochains parfois. Eh bien, une infirmière qui était à Gaza nous racontait qu'elle avait vu un de ses collègues palestiniens s'effondrer en pleurs en revenant d'une mission. Et elle lui demandait ce qui n'allait pas. Et il lui racontait qu'il venait de sauver une petite fille de 8 mois. Ce qui normalement est une bonne nouvelle. Mais il se demandait s'il avait bien fait de sauver cette petite fille de huit mois, parce que toute sa famille avait été tuée dans la frappe qui avait, qui avait frappé leur logement, et donc elle se retrouvait sans famille, parce que dans l'explosion, elle avait dû être amputée de ses bras, et que maintenant cette petite fille de huit mois se retrouvait sans famille et à vivre dans l'enfer de Gaza. Et il se disait que peut-être qu'il était dans le fait de d'être au bloc et de devoir agir dans l'urgence mais que peut-être il aurait dû laisser cette petite fille mourir quand vous entendez des soignants qui ont choisi leur métier pour sauver des gens dire cela alors vous comprenez l'horreur qui est vécue actuellement à gaza et le cimetière devant lequel nous, nous parlons. de même quand vous entendez des soignants dire des enfants quatre ou cinq heures après leur naissance meurent d'hypothermie meurent d'hypothermie et depuis que je suis revenu je me dis que peut-être c'est mieux parce qu'ils n'auront pas là aussi à vivre dans le cimetière qui est devenu Gaza. Nous sommes fiers d'être le seul groupe parlementaire qui ait refusé d'applaudir le soutien inconditionnel à, au gouvernement d'extrême droite de Netanyahu. Je suis fier que nous ayons toujours parlé la langue de la paix et du droit international. De même, je suis fier que les insoumis aient pris et continuent de prendre des initiatives pour la paix en se rendant à l'AE justement pour soutenir la plainte de l'Afrique du Sud, gloire à l'Afrique du Sud, pour, pour appuyer justement la plaidoirie que tenait l'Afrique du Sud. De même, Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au Liban pour alerter sur le risque de guerre généralisée au Liban. Ensuite, c'est ce une, une délégation de parlementaires insoumis qui s'est rendue à Rafah justement pour exiger le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et toujours, les insoumis ont pris des initiatives pour la paix, nous continuerons de le faire. Et je veux vous dire ici que quelle que soit la manière dont ils essayent de nous salir, de nous flétrir, eh bien, nous ne nous tairons pas et nous ne laisserons pas la Palestine disparaître. Alors, le camp de la paix, puisque nous sommes dans l'ère caribéenne, je veux juste vous dire un petit mot sur ce qui se passe en Haïti. Parce que la France indépendante au service de la paix que nous souhaitons est celle qui aidera Haïti, bien sûr en faisant attention de respecter entièrement la souveraineté d'Haïti. Nous sommes effarés par le cycle de violence dans lequel est le peuple haïtien et je veux redire ici toute ma solidarité au peuple haïtien pour lequel nous avons, nous, la France, une dette historique et morale. Et je le dis d'autant plus qu'il y a peu, nous avons célébré le 4 février 1794. Première abolition de l'esclavage qui avait été faite lors de la Révolution française. Abolition de l'esclavage qui était sans indemnisation des colons. Eh bien, ce n'est pas la Convention de la Révolution française qui l'a fait en premier. C'était en premier dans la loi. Mais dans les faits, ceux qui ont aboli l'esclavage en premier, ce sont d'abord... Les esclaves eux-mêmes qui, par leur lutte, ont réussi à l'abolir, et notamment à Saint-Domingue, en Haïti. Et nous avons nous demandé, nous avons nous demandé à ce que le portrait de Jean-Baptiste Bellé, premier député noir, député haïtien de Saint-Domingue à l'époque, qui a participé justement à la lutte qui a ouvert la voie à tant de monde, dans, partout justement dans le monde, et eh bien que ce portrait soit remis à l'Assemblée nationale et qu'il puisse trôner dans notre Assemblée nationale, je le rappelle parce que tous ces êtres qui ont lutté au fil des siècles nous rappellent quelque chose de fondamental, celle de dire que la liberté n'existe pas sans ses défenseurs et surtout celle de dire que aussi sombre que soit la nuit, eh bien, il ne faut jamais ni céder à la résignation ni à la fatalité. Vous savez, lors de la première abolition de l'esclavage, ceux qui étaient contre ne cessaient de dire, mais vous vous rendez compte, à combien va être le sucre si on abolit l'esclavage, combien ça va coûter tout ça C'est toujours la même histoire. Dès que vous demandez des, des droits, on vous demande combien ça va coûter. Eh bien, je vous le dis, ce que nous apprend la lutte des esclaves, ce que nous apprend la lutte des femmes et des hommes qui ont lutté partout pour la liberté, c'est de continuer, de toujours continuer pour goûter à cette liberté. Alors... Je terminerai en disant que la Martinique a déjà montré la voie au pays, notamment, et on vous en remercie en votant pour, à 53% pour Jean-Luc Mélenchon et le programme de l'avenir en commun. Et si la Martinique était tout le pays, eh bien, Jean-Luc Mélenchon serait déjà président et nous aurions collectivement inventé un tout autre avenir. Alors, je vous dis juste que le 8 juin va se jouer une élection qu'ils espèrent toutes et tous sans le peuple. Nous pouvons déjouer ça. Si le peuple retourne aux urnes, alors nous aurons la force de tout changer. Et je veux terminer par une citation de quelqu'un que ici, vous connaissez bien, Patrick Chamoiseau, qui disait, qui dit d'ailleurs, Porter la liberté est la seule charge qui redresse bien le dos. Eh bien, redressez bien le dos, redressez bien la tête. Nous avons la force de tout changer. Courage, les amis. Et j'ai moi aussi le grand honneur d'appeler maintenant Jean-Philippe Nilor, député de la Martinique. Bonsoir tout le monde. oui! oui. Ce n'est vraiment pas un cadeau qui m'a été fait de devoir m'exprimer après Mathilde Pano. On m'a demandé d'expliquer notre engagement en tant que Martiniquais, fier de l'être, dans ce combat pour les Européennes de 2024, du 8 juin 2024. Mais très franchement, après avoir entendu une telle démonstration, je me demande s'il y a encore des gens qui s'interrogent sur la nécessité de participer activement, sur la nécessité d'arrêter de subir inlassablement des règles édictées ailleurs pour d'autres et qui nous sont appliquées automatiquement provoquant parfois des désastres humains, sociaux, économiques, écologiques, culturels, éducationnels. Pourquoi le souverainiste que je suis s'engage dans une élection européenne, parce que l'Europe, c'est loin. C'est vrai, l'Europe, c'est loin. Et pour être honnête, je ne me considère pas véritablement comme européen. C'est vrai. Mais l'Europe décide. Et administrativement, au moment où nous parlons, et depuis la création de la CEE, nous sommes administrativement, politiquement, intégrés, qu'on le veuille ou pas, à l'Europe. Et l'Europe décide, et l'Europe décide de beaucoup de choses. L'Europe est en mesure de... Faire bénéficier les territoires, les régions ultra-périphériques, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle, de fonds européens, FEDER pour le développement économique, FEDER pour l'agriculture. Ferme pas, notamment pour la pêche, l'aquaculture, et les FSE, Fonds social européen. En tout, pour 2021 à 2027, c'est 601 millions d'euros que le territoire martiniquais, le pays martiniquais, est susceptible de recevoir. Ces 601 millions d'euros, ce n'est pas rien. Mais les mauvais choix, à la base, à la racine, s'ils s'opèrent ici, dans notre territoire, ou s'ils s'opèrent en Europe, à Bruxelles, au Parlement européen, ces 601 millions d'euros peuvent s'avérer catastrophiques, peuvent aller à l'encontre des besoins objectifs d'un territoire. 601 millions d'euros qui peuvent être utilisés de manière salutaire, de manière pertinente, efficace, aider à l'émergence d'une société plus juste, plus humaine, plus équilibrée, moins inégalitaire. Comme ces 601 millions d'euros, si on ne change pas un peu de paradigme, si on ne renverse pas à un moment la table, risque de continuer à bénéficier aux mêmes, aux mêmes privilégiés, à une minorité de personnes organisées, ayant suffisamment les moyens de monter les dossiers pour aller récupérer un par un ces fonds européens. Alors que le plus grand nombre, les petites entreprises, même les moyennes entreprises, se retrouve dans l'incapacité d'aller décocher le moindre euro. Donc ces 601 millions d'euros sont aussi susceptibles d'aggraver la situation d'inégalité et d'injustice dans notre pays. Et c'est ça l'enjeu. Le souverainiste que je suis. Ne saurait rester à l'écart de ces espaces où les décisions sont prises et parfois prises contre nous, parce que prises sans nous. Il serait irresponsable, irresponsable, de snober les lieux de pouvoir et de décision quand ces décisions nous impactent directement. Et puis que serait l'europe que serait l'europe si comme tant d'autres nos pères n'avaient osé faire couler jusqu'à leur sang pour elle la guerre et même donner leur vie leur âme pour que cette europe soit aujourd'hui tout ce qu'elle est le sang des africains qui a fait la richesse, il faut le dire, il faut avoir l'humilité et l'honnêteté de le reconnaître, qui a fait la richesse de la France, de l'Europe d'une manière générale, de toutes ces colonies. Le sang des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Réunionnais, ceux qu'on appelle Guyanais, ceux qu'on appelle aujourd'hui Outre-mer, qui a coulé. Pour enrichir cette Europe à un moment si resplendissante et si arrogante aussi. C'est grâce à notre sang, c'est grâce à notre sueur que l'Europe a pu se bâtir et se constituer cette richesse-là. Et C'est au nom de nos pères, au nom de nos fils, et au nom de tous ceux qui sont encore saints d'esprit, malgré le, mat le matraquage médiatique organisé à dessein. Au nom de nos pères, au nom de nos fils, au nom des saints d'esprit, je voterai. Je vous appelle à voter massivement dès le 8 juin au matin. Et toute la journée de ce 8 juin, pour donner le là, pour donner le ton, pour le cap, un cap différent, un cap pour une autre Europe, animée par d'autres intentions. C'est possible. L'équipe, parce que c'est une équipe, de l'Union populaire est la seule aujourd'hui en mesure de donner une chance à l'Europe de se ressaisir, une chance de se ressaisir, de sortir de cette posture coloniale vis-à-vis -vis de l'Afrique, vis-à-vis d'Haïti, cela a été dit par Mathilde. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, les peuples partout à travers le monde, les peuples dominés, les peuples qui ont été esclavisés, prennent conscience, prennent confiance et souhaitent avant tout développer d'autres relations avec les anciens colons. Des relations d'équilibre, des relations d'homme à homme, de femme à femme, où on peut se regarder les yeux dans les yeux. D'égal à égal, des relations gagnant-gagnant. Parce que si l'Europe, avec en première ligne le président de la République française, Jupiter, s'accroche à cette posture d'arrogant, de méprisant, de supérieur, si l'Europe s'inscrit dans cette démarche, ce sera, écoutez-moi bien, la fin d'un rêve. Parce que que l'Europe le veuille ou pas, que l'Europe l'assume ou pas, le monde est en train de se réveiller. Et le monde est en droit d'exiger davantage de justice, de respect, de reconnaissance d'humanité. C'est ce mouvement qui émerge aujourd'hui dans notre pays martiniquais. Comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme au Niger, comme en Afrique du Sud, la conscience est en train de progresser partout à travers le monde. Et ceux qui courbaient les chinières, qui acceptaient l'inacceptable, ne l'accepteront plus. Et nous devons avoir, nous souhaitons avoir, nous pouvons avoir, à la tête de la Commission européenne, des gens, et du Parlement européen, des gens qui respectent l'humanité, des gens qui ne négocient pas des marchés, de vaccins avec de grosses firmes par SMS pour 1,8 milliard de doses. C'est possible, c'est souhaitable. Et tout autre choix, tout autre choix serait quelque part annoncer la fin d'un rêve, d'un rêve d'unité, un, de solidarité au, au niveau mondial. Un rêve où, quelle que soit la couleur de peau, on pourrait s'aimer et se respecter. Un rêve où, quelle que soit la nationalité, une victime reste une victime. Que l'on soit à Gaza ou à Kiev, que l'on soit à Port-au-Prince ou à Barcelone, que l'on soit... À Fort-de-François-Amsterdam, une victime reste une victime. Un profiteur reste un profiteur. Nous avons besoin donc d'humanité. Nous avons besoin que des gens qui soient animés de valeurs de respect, ces valeurs qu'il faut le reconnaître, ont fait la renommée et la splendeur de la France jadis, ces valeurs dites républicaines qui sont en voie de disparition aujourd'hui avec de tels dirigeants. Nous avons définitivement besoin que ces peuples d'Europe changent ces dirigeants et choisissent la voie du progrès, la voie du respect. La voix de la dignité, la voix de l'humanité, et la voix de la reconnaissance du tort qui a été perpétré pendant des siècles et des siècles. C'est à ce prix que l'on pourra parler véritablement de réparation. En tant qu'être humain. Nous observons bien que ce monde va de plus en plus mal. Nous observons bien que le double standard est devenu la règle. Si l'on vend, la tchépoule penchée. Si l'on moune, nous qu'a condamné. Si l'on moune, nous qu'a péla, nous qu'a parler. C'est ça qui doit véritablement changer. Et c'est pourquoi, en tant que Martiniquais, fier de l'être, je voterai et je vous appelle à voter le 8 juin au nom de nos pères, au nom de nos fils et au nom de ceux qui, j'espère, seront de plus en plus nombreux à rester saints d'esprit. Merci infiniment. Manon Aubry, tête de liste de l'Union populaire. Vous allez voir, vous allez découvrir une jeune femme, elle, parce elle est jeune, une jeune femme extraordinaire. Et je profite pour dire que dans notre pays, Martinique, on a souvent tendance à rechigner à faire confiance à notre jeunesse. Une jeunesse intelligente, une jeunesse éclatante. Et notamment en politique, on a du mal à leur transmettre le flambeau. Vous en savez quelque chose. On voit bien que dans les pays, des peuples qui ont confiance dans leur système d'éducation, dans leur système de formation politique, on n'a pas peur de faire confiance à des jeunes personnes, jeunes et brillantes personnes à l'image de Mathilde Pano qu'on vient d'entendre, mais aussi à l'image de Manon Oui, Merci Manon. Alors, c'est le problème de passer après un grand orateur au sens propre, comme figuré. Il faut adapter la taille du micro. Euh, bonjour à, à toutes et à tous. Merci pour l'accueil. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis l'organisation euh, de ce meeting. Alors, euh, on est aujourd'hui dans un cinéma, donc euh, je vais essayer de ne pas vous raconter euh, une fiction, la fiction que. Nous créer de toutes pièces le gouvernement qui consiste à croire que nous vivrions dans un monde formidable dans lequel il n'y a absolument pas d'inégalité et a fortiori avec les territoires dits d'outre-mer. Merci aussi à nos camarades de PIA, à Kevin, à Jean-Philippe, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui sont dans la salle qu'on a rencontrés notamment et avec qui on a longuement échangé hier. Et je dois dire ma fierté aussi d'avoir Kevin sur notre liste de l'Union populaire, non seulement pour porter la voix des Martiniquaises et des Martiniquais, mais aussi pour porter la voix du monde agricole qui a émergé soudainement dans les médias, dans l'Hexagone, il y a quelques semaines de cela. Et puis vous avez remarqué et immédiatement reparti au fin fond des préoccupations médiatiques alors qu'aujourd'hui la vraie question qui est posée et singulièrement ici en Martinique c'est comment on se donne les moyens de notre souveraineté alimentaire de nourrir et l'ensemble de la population martiniquaise sans que ça vienne des quatre coins du monde donc je suis fier avec Kevin d'aller porter cette voix de l'agriculture martiniquaise au parlement européen. Je vais vous faire une petite confidence. Je ne suis pas martiniquaise, même si j'ai ma tante et mon oncle qui sont dans la salle et qui sont martiniquais. Mais je suis notre famille commune et de Corse. Et je sais bien la relation des habitantes et habitants d'île. À l'Hexagone, euh, on a on a pas mal discuté avec Jean-Philippe euh, d'inspiration de mesures corse qui pourraient bénéficier au peuple martiniquais. Je pense notamment euh, au prix fixe, euh, et je sais que tu vas y travailler au prix fixe pour euh, les résidents fiscaux en Martinique pour aller dans l'Hexagone au prix fixe des avions. Et je suis sûre que tu arriveras à faire adopter avec nos amis corses cette proposition à l'Assemblée nationale. Mais je sais aussi que ceux qui ne voient que l'hexagone n'ont absolument rien compris parce que la France est en réalité un archipel. Et ce concept, je l'emprunte à un auteur et un poète, un écrivain martiniquais, que cite très souvent Jean-Luc Mélenchon, qui est évidemment Édouard Glissant. Vous l'avez reconnu qui euh, non seulement a élaboré ce concept de cré créolisation, mais aussi la pensée d'archipel. Et je voulais commencer avec cette citation euh, d'Édouard Glissant qui dit ⁇ La pensée archipélique est tout à l'opposé des pensées de système, elle s'accorde au tremblement de notre monde. Et ainsi, disons-nous, agis dans ton lieu, le monde s'y tient, pense avec le monde, il ressort de ton lieu. ⁇ et je trouve que ça résume un petit peu notre démarche et notre enjeu contre le système dominant. Nous voulons, avec l'Union populaire, c'est s'accorder finalement aux tremblements du monde, agir contre ces tremblements du monde et agir en tout lieu, car le monde s'y tient. Et agir, c'est au quotidien, au Parlement européen et... Tu l'as rappelé, je crois que c'est toi qui l'as dit, Jean-Philippe, au Parlement européen, on a cette dénomination des euh, euh, régions ultra-périphériques. Alors moi, j'ai toujours eu du mal à la comprendre, je l'ai découvert en arrivant au Parlement européen. Mais si on parle de périphérie, ça veut dire qu'il y a un centre. Le centre serait nécessairement l'Hexagone ou euh, le centre de l'Union européenne, Bruxelles. Moi, j'ai une proposition à faire. Si on faisait des territoires ultra-périphériques, des territoires d'outre-mer le centre pour montrer le chemin, le chemin politique, à la fois des défis sociaux auxquels font face les territoires d'outre-mer, mais aussi parfois et souvent des solutions politiques. Et peut-être que c'est une des nominations qu'on peut commencer à contester au Parlement européen. Mais il y a un, un journaliste avec qui j'ai changé juste avant d'entrer dans la salle. Et c'est vrai que qu'on expliquait la raison pour laquelle, après notre lancement de campagne, on a voulu aller immédiatement dans les Outre-mer, pour montrer l'importance que agir et agir aux côtés des Martiniquais et des Antillais importe pour nous. Nous sommes déjà la liste qui place un candidat des Outre-mer le plus haut parmi l'ensemble des listes qui sont candidates à ces élections européennes. Et je suis fière d'avoir en numéro 2 sur ma liste Younous Omarji, qui est président de la commission du développement régional, la fameuse commission qui s'occupe des régions ultra-périphériques, qui se bat pour maintenir les fonds dont parlait Jean-Philippe à l'instant, des fonds euh, pour euh, ces territoires, euh, à la fois en matière agricole, à la fois sur euh, notamment le Fonds social européen, mais avec qui nous nous sommes aussi battus pour obtenir quelque chose dont certains pensent qu'il est symbolique, mais qu'il est en réalité hautement politique. Je suis fier que, sous ce mandat au Parlement européen, nous ayons obtenu la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité et une journée européenne qui lui est dédiée, pour apprendre de notre histoire, pour en tirer les leçons et pour plus jamais connaître ses erreurs. Parce que, face à nous, on a un bloc. Qui se dressent. Et notre objectif de l'Union populaire, c'est de créer un bloc qui résiste, qui résiste comme vous l'avez fait à de très nombreuses reprises en Martinique. Ça a été dit un peu avant moi, face à nous, nous avons deux blocs, deux rouleaux compresseurs euh, qui sont lancés à grande vitesse sur une autoroute du chaos. D'un côté, l'extrême libéralisme qui broie dans, le, dans leur machine à toute austérité et tout marché, et de l'autre côté, le tout extrême droite raciste dont on connaît déjà l'ensemble des politiques. Et finalement, nos adversaires, les macronistes et l'extrême droite, sont au service d'un même projet. Nous diviser, nous diviser selon notre couleur de peau, nous diviser selon notre religion, nous diviser selon nos origines, nous diviser selon le montant que l'on détient dans notre portefeuille, diviser pour mieux régner. Il nous divise pour que persiste le règne de l'argent en roi, le règne des idées racistes. Et ne vous trompez pas. Ce qu'il se prépare pour ces élections européennes, c'est précisément l'après-Macron. Est-ce que l'on veut que l'extrême droite soit prête à prendre le pouvoir de notre pays avec son lot de racisme et de xénophobie Est-on prêt à laisser les clés de notre pays à Marine Le Pen et à Jordan Bardella Ou alors, avec l'Union populaire, sommes-nous prêts à préparer l'alternative, celle qui va prendre le pouvoir après Macron, parce que ces jours sont comptés d'ores et déjà à partir d'aujourd'hui Notre objectif, c'est évidemment de poursuivre la dynamique. Mathilde en a dit un mot. Mais quand on revoit le score de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, ici en Martinique, 53%. Alors quand je dis que la Martinique est parfois le phare dans un tunnel obscur, je regarde le soutien et la mobilisation des Martiniquaises et des Martiniquais aux élections présidentielles. Et je me dis que le meilleur cadeau que les Martiniquais opposés à la politique d'Emmanuel Macron pourraient faire, c'est de lui offrir leur abstention, leur absence, leur dés <coughs> désertification du champ électoral. C'est le cadeau que les Martiniquais et les Martiniquais pourraient faire comme ça a trop été fait dans les élections précédentes. En 2010... En 2019, seulement 15 des Martiniquais sont allés voter 15 85 qui ont fait ce cadeau à Emmanuel Macron. Aussi, et je veux bien le comprendre, parce que les élections européennes peuvent paraître loin, l'Hexagone c'est loin, alors Bruxelles c'est encore plus loin, on le sait. Mais ne vous trompez pas sur le sens de cette élection politique le sens aussi du message que l'on veut envoyer. Et hier, des camarades de PIA nous ont dit, c'est la première fois que je vais aller voter pour des élections européennes. Et je veux dire à ces camarades qui sont certainement dans la salle, que oui, nous vous rendrons fiers de ce vote pour aller défendre l'intérêt des Martiniquaises et des Martiniquais au Parlement européen, mais avant tout aussi pour construire ensemble l'après-Macron et le sens politique que nous allons lui donner pour au soir du 9 juin, non pas avoir cet immense bâton, vous savez, comme on présente le résultat des élections européennes, où les médias titreraient déjà, je les vois. Ras de marais de l'extrême droite. Non, ce ras de marais, c'est notre responsabilité de l'arrêter. Et ça, ça dépend uniquement de votre mobilisation. Alors, notre objectif dans cette campagne, c'est de se battre contre le mépris. Le mépris d'un pouvoir, d'un pouvoir à Bruxelles, qui très souvent se fait loin de la réalité. Et le mépris d'un Emmanuel Macron qui ne rate pas une opportunité de le manifester. On a vu aussi, vous vous souvenez sans doute, Elisabeth Borne ricaner devant l'accent d'un député polynésien à l'Assemblée nationale. On voit les sessions parlementaires, je le vois à l'Assemblée nationale, mais aussi au Parlement européen, se désertifier dès qu'il s'agit des Outre-mer, comme si ça n'intéressait aucun de nos élus. Et puis, on le voit aussi au Parlement européen au quotidien. Parce que, en réalité, ce président de la République nous fait honte. Honte. Honte de ce mépris. Honte de voir les Outre-mer considérés comme des territoires de seconde zone. Et, je veux le dire ici avec beaucoup de fermeté. Nous en, avait, nous en avons assez des Antilles qui sont méprisées par l'Hexagone et des ministres successifs dont on ne souvient même plus quel est le nom du ministre des Outre-mer tellement ils ne font rien pour ces territoires. Nous en avons assez d'un pouvoir qui envoie plus vite l'armée que des médecins quand le système de santé s'effondre. Nous en avons assez d'une politique qui trop souvent fait des habitants ultramarins des, des sous-citoyens. Nous en avons assez des maltraitances que les Antilles subissent. Ce que nous voulons au fond, c'est l'égalité face à leur mépris. Et vous vous souvenez sans doute, en parlant de mépris, de cette phrase d'Emmanuel Macron qui disait en 2019, il n'y a pas si longtemps que ça, il était déjà président de la République Il ne faut pas dire que le chlordécone n'est pas cancérigène. En 2019. C'est-à-dire 50 ans après que l'on sache que le chlordécone était dangereux. La réalité. C'est qu'il ne veut pas déranger ses amis les multinationales qui ont profité de cette manne financière. La vérité et la réalité, c'est qu'il préfère masquer la culpabilité des dirigeants politiques qui ont menti, qui ont menti sciemment aux Martiniquais alors qu'on connaissait la toxicité depuis les années 70 et qu'ils ont attendu 1993 avant de l'interdire, soit trois ans après l'Hexagone. Qui ont aussi donné un permis de tuer à des entreprises multinationales, qui ont empoisonné pour des générations entières les Martiniquais, alors que maintenant plus de 90 de la population est contaminée pour les sept siècles à venir. Vous le savez ici en Martinique, il y a le record du nombre de cancers de la prostate, deux fois plus en moyenne que dans l'Hexagone. Et je suis fier de mes camarades à l'Assemblée nationale qui ont obtenu la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans ce qui n'est pas un désastre, mais une culpabilité au service du profit de quelques entreprises pour avoir empoisonné un peuple entier. Le reconnaître, c'est une chose, mais vous savez aussi comme moi qu'il faut agir. Agir pour élargir le fonds d'indemnisation. Et faciliter l'accès au dépistage pour que chaque Martiniquaise et Martiniquais puisse être indemnisé. Pas uniquement les ouvriers agricoles dont on sait que leur vie a été empoisonnée. Il faut agir aussi, et ça fait partie des demandes que nous formulons pour dépolluer les sols. Nous demandons un fonds de recherche spécifique aux institutions européennes et au niveau européen. Pour aider à dépolluer des sols dont on sait qu'ils ont été empoisonnés pour des siècles entiers. Et nous devons agir enfin pour interdire les pesticides, tirer les leçons. Combien de scandales de chlordécone faudra-t-il dans les années qui viennent avec le glyphosate, avec tous les pesticides pour lesquels ils veulent nous empoisonner la vie Oui, je suis fier au Parlement européen de présider un des seuls groupes qui s'est opposé et qui continuera de s'opposer à tous les pesticides qui nous empoisonnent la vie. Et si l'on veut transformer notre modèle agricole, il faut aussi assurer notre souveraineté agricole. On en discutait en effet aujourd'hui et nous avons rencontré Bertrand saint qui est un agriculteur à Saint-Esprit. Et qui, lui, a essayé de développer un modèle alternatif qui faisait des bananes, que l'on il y a quelques années. Et puis, qui maintenant, avec ses trois hectares de terre, fait du maraîchage diversifié pour participer à la souveraineté alimentaire de la Martinique. Parce que quand on sait qu'en Martinique, deux tiers environ des produits agricoles qui sont consommés sont en réalité importés, ça démontre aujourd'hui une stratégie agricole qui est défaillante. Quand on sait qu'on a les capacités, les ressources avec des gens comme Kevin et tous les agriculteurs du pays qui participent aujourd'hui à faire de la production agricole martiniquaise une fierté. Mais quand on voit qu'en face, on a des jeunes agriculteurs qui n'arrivent pas à accéder à des terres, à du foncier, alors qu'on a 18 000 hectares de terres agricoles non utilisées en Martinique. Les copains, les camarades nous disaient, mais avec 18 000 hectares, mais il ne faudrait même pas 10% de ça pour assurer la souveraineté alimentaire de toute la Martinique, pour nourrir l'ensemble des martiniquaises et des martiniquais. Mais non, on va continuer à importer. Kevin, il produit de l'ananas. Bah, l'ananas martiniquais qui est produit ici, qui va, être, qui va faire face à une concurrence déloyale, il en a parlé, avec le Costa Rica, qui, au Costa Rica, autorise largement des pesticides qui sont interdits a raison dans l'Union européenne. C'est cette concurrence déloyale à laquelle il faudra mettre un terme. Parce que je vous le dis, camarades, cette folie du libre-échange, cette drogue du libre-échange, ils ont besoin, c'est un peu comme des drogués, ils ont besoin de leur dose régulière. Et donc, sur le Costa Rica, il y a un accord de libre-échange avec l'Amérique centrale, mais vous croyez qu'il s'arrête à ça On a eu récemment, en pleine crise agricole, deux nouveaux accords de libre-échange, pas un, deux. Un avec le Chili, un avec le Kenya, qui faisait suite à l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, premier exportateur de lait au monde. Et je sais qu'on produit quasiment plus de lait en Martinique. Et puis, ça, ça va être avant le Mercosur, le Mexique. Bref, un beau tour du monde, mais sauf qu'on ne demande pas à nos produits alimentaires qu'on a dans notre assiette de faire le tour du monde. On demande qu'ils soient produits localement. Eh bien, puisqu'ils sont drogués au libre-échange, on va aller les sevrer. Et le, voter le 8 juin prochain pour la liste de l'Union populaire, c'est refuser l'ensemble des accords de libre-échange, puisque nous sommes le seul groupe à avoir voté contre tous les accords de libre-échange. Je pourrais aussi longuement parler de la question des aides agricoles qui sont distribuées. Alors, euh, nous, on s'est battu... Et on se continue à se battre dans les institutions européennes pour garder la spécificité. S'il y a bien un article des traités européens qu'on conserve, c'est un article spécifique qui dit que les politiques européennes doivent être adaptées aux Outre mer, aux régions ultrapériphériques, sauf que ce n'est pas toujours le cas. Et dans le cas des aides agricoles, il y a en effet une ligne spécifique s'appelle Posey bon, bref, peu importe le nom, mais qui, en réalité, maintient la même logique. Celle de financer les immenses agro-industries de bananes, par exemple, ici en Martinique, pendant que la plupart des petits agriculteurs, par exemple Bertrand, que j'ai vu aujourd'hui, qui a 3 hectares et qui touche zéro peanuts de l'Union européenne. Le résultat, c'est que seulement 20% en, en, environ des agriculteurs martiniquais et martiniquais touchent des aides de l'Union européenne. Et évidemment, les immenses agro-industries d'investisseurs qui viennent des quatre coins du monde ou qui viennent de l'Hexagone. Alors que les aides européennes, précisément, devraient aider à garantir, protéger, développer la souveraineté alimentaire de la Martinique, c'est bon pour les agriculteurs, c'est bon pour la planète. Pourquoi faire venir de l'autre bout du monde ce qu'on produit déjà ici en très bonne qualité tout changer pour notre monde agricole, mais aussi tout changer contre la vie chère. Quand on voit le taux de pauvreté en Martinique de 28%, deux fois plus élevé que dans l'Hexagone, mais surtout quand on voit la cherté de la vie. Le taux de pauvreté est beaucoup plus haut et les prix sont beaucoup plus élevés. 40% en moyenne. Et c'est frappant quand on vient de l'Hexagone, le prix d'un paquet de pâtes, de choses aussi simples, aussi basiques, des produits d'hygiène. Parfois, c'est bien plus que 40% de plus. Et les salaires, eux, ne sont pas à plus de 40%. Loin de là, est-ce que le SMIC, le salaire minimum, est à plus de 40% par rapport à l'hexagone Absolument pas. Et si la vie est difficile pour une immense majorité de Martiniquais et de martiniquais, c'est qu'elle est confortable, en réalité, pour quelques-uns. Pour une minorité d'entreprises qui s'enrichissent et refusent de faire la transparence sur leurs marges, si les prix sont si chers en Martinique, c'est trop facile de dire que c'est à cause de l'octroi de mer. En réalité, c'est bien davantage à cause d'une toute petite poignée d'entreprises qui se gavent, qui se gavent, qui profitent de leur situation de monopole pour faire exploser les prix. Et le résultat, c'est que quand on achète à manger, on a l'impression de se faire voler. Quand on fait son plein d'essence, on a l'impression de se faire voler. Quand on va au supermarché, on a l'impression de se faire voler. Alors ce que je vous propose le 8, prochain, le 8 juin prochain, c'est de mettre fin à ce racket généralisé pour aller bloquer les marges des entreprises multinationales de l'agroalimentaire et bloquer les prix des produits de première nécessité une bonne fois pour toutes. Et je terminerai par une dernière question, parce que vivre dignement, c'est vivre évidemment avec les mêmes droits et les mêmes possibilités pour toutes et pour tous. Mathilde on a dit un mot sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant des mois au parlement européen pendant des mois au parlement européen quand ils nous présentaient les nouvelles règles budgétaires alors tout ça c'est loin c'est à bruxelles c'est des règles ultra techniques 3 de déficit les 60 de dette on a lancé l'alerte on l'a dit on l'a dit que ce serait la pire cure d'austérité qu'on a jamais connue on nous a dit qu'on était des menteurs on n'intéressait personne. Pourtant, on a lancé l'alerte parce que les conséquences sont très concrètes. Et elles le sont d'autant plus dans un territoire où les services publics sont déjà attaqués au quotidien, et Mathilde le rappelait. Je suis moi-même opérée de la cataracte congénitale. Alors, il euh, n'y a pas que les personnes âgées qui peuvent avoir la cataracte. Et je sais qu'un enfant comme moi dans ce territoire serait devenu aveugle. Je le sais. Parce que déjà à l'époque, le faire traiter dans l'Hexagone, c'était difficile. Mais quand ici, on meurt de maladies qui peuvent être traitées, quand on attend <coughs> des mois, voire des années pour avoir un rendez-vous, on va me donner de l'eau. Merci, Kevin. C'est pour illustrer qu'une journée sans eau. Et on meurt tous. Voilà pourquoi il ne faut pas accaparer les ressources. Et donc, pour reprendre sur les services publics, on sait à quel point aujourd'hui ils sont dans un état de délabrement total. Que les investissements sont bloqués. Que nos soignants se battent comme ils le peuvent, avec les moyens qu'ils ont. Et je sais que des infirmiers étaient mobilisés encore cette semaine. J'ai vu aussi que des instituteurs étaient mobilisés cette semaine contre des classes qui sont déjà surchargées. Et la réalité, pendant que je vous parle ce soir, oh, maintenant ils ont peut-être fini leur dîner vu le décalage horaire, mais il y avait un dîner ce soir de Bruno Le Maire avec euh, euh, les chefs de parti pour euh, faire état de euh, son projet pour les finances publiques. La réalité, c'est que le menu, on le connaissait déjà. C'était 10 milliards d'euros dès cette année, 20 milliards d'euros de coupes budgétaires l'an prochain. C'est très concret. C'est déjà près de 80 millions d'euros de coupes pour les Outre-mer. Et on sait à quelle sauce on va être mangé. Le sacrifice de nos services publics. Et puisqu'on est ici dans un cinéma, c'est un massacre à la tronçonneuse. Un massacre à la tronçonneuse dont on connaît les premières victimes. Ce sont évidemment les plus pauvres, mais ce sont aussi les habitantes et les habitants des Outre-mer. Et non, nous, de, nous, ne devons, nous ne devons pas faire des Outre-mer les territoires oubliés de notre République. Ça suffit, l'investissement ou les territoires de seconde zone où on abandonne encore plus nos hôpitaux, nos écoles et notre protection sociale. On sait très bien que cette cure d'austérité sera payée avant tout par les territoires où les services publics sont déjà les plus délabrés. Et c'est pour ça que voter pour notre liste le 8 juin, c'est aussi s'opposer fermement à cette cure d'austérité sans précédent, à ces coupes dans ces services publics, pour dire oui, les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et oui, nous allons continuer à les défendre en refusant ces coupes budgétaires historiques. Alors voilà les amis. Maintenant, il nous reste un peu moins de trois mois avant ces élections européennes. Trois mois pour mobiliser, trois mois pour aller saouler ses voisins, ses collègues au boulot, sa famille, aller pourrir les dîners du dimanche ou les déjeuners du dimanche. Vous savez, ces déjeuners où on se met à parler politique. Ouais, j'ai vu la, 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 la petite jeune, la Manon brie en meeting. Euh, elle nous dit qu'il faut aller voter. Ah, oh, on s'en fout de ces élections européennes, c'est loin. Dites-leur, allez leur dire que c'est le plus beau rêve d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, que les Martiniquaises et les Martiniquais ne se mobilisent pas. Allez leur dire que c'est le seul endroit, n'en déplaise à quelques éditorialistes qui étaient un peu fâchés de notre campagne d'inscription sur les listes électorales. Mais oui, c'est vrai, Bernard Arnault va aller voter pour les élections européennes. Emmanuel Macron vote. Le PDG de Total vote, Gérard Depardieu vote, ils votent tous. Et c'est le seul moment où chacune et chacun d'entre nous, ici dans cette salle, mais aussi face aux puissants qui dirigent notre pays, c'est le seul moment où nous sommes exactement à égalité, où chaque voix vaut une autre voix. Et c'est le seul moment où par notre mobilisation, nous pouvons faire la différence, par notre mobilisation, nous pouvons le, nous donner le pouvoir de tout changer. Par notre mobilisation, nous pouvons dessiner l'avenir et éviter de laisser les clés du pays à Marine Le Pen, à Emmanuel Macron. Alors, je terminerai par une citation d'Aimé Césaire, puisqu'on est allé rendre hommage cet après-midi avec Mathilde à, sur sa tombe, nous recueillir. Et je sais qu'il est aussi une inspiration forte pour euh, des générations entières de Martiniquais et de martiniquais. Il a écrit :« Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Alors, les amis, contre le désespoir, utilisez votre bouche pour hurler votre désaccord. » Mais utilisez aussi votre bulletin de vote pour hurler votre désaccord et pour nous donner le pouvoir de tout changer. Le 8 juin prochain, on compte sur vous en campagne.